Hey, salut à tous et à toutes, ici c'est un test rapide de ce que je voudrais faire sur montage. Donc, du coup, ici on se retrouve. Oh, regardez, un dauphin. Un ouh dauphin. Oh, regardez les ouh coquins, ils regardent le dauphin. Ils sont trop comiques, ils sont trop rigolos. Les ouh coquinous. Sont si marrants, sont si rigolos. Donc ici le test que je vais faire, c'est ça. C'est juste de vérifier en fait si en passant en fait ma vidéo dans un logiciel de montage comme mon pote fait actuellement et pas tout de suite uploader ça sur YouTube, est-ce que la qualité est meilleure ou pas? Parce que malgré tout il a posté une vidéo qui avait déjà téléchargé sur... Enfin je sais pas si c'est moi qui... C'est chez moi que ça fait ça, mais à chaque fois moi il y a des pixels d'artefacts. Et lui, il a rien. Je comprends rien. Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai rien. Donc, c'est assez bizarre. Donc, oui, du coup, on va pas faire trop long. Hein. C'est un test d'une minute. Ça sera concluant ou ça sera pas concluant. Donc, pourquoi je vais sur son serveur? C'est parce que je suis passé en 1.19 là pour l'instant. Donc, du coup, bah, je fais vite ça, ça vite fait sur son serveur à lui et je me prends pas la tête. Hein. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hop là. Pour le LOL, on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose, tiens. Alors, c'est toujours les mêmes shaders. C'est toujours des shaders qui sont à 30 fps, comme j'avais expliqué dans l'autre fois. C'est locké, hein. C'est locké à 30 fps. On peut pas aller plus haut avec ces shaders-là. Si on veut des plus hauts, on peut prendre ceux à... Mais voilà, on peut s'amuser à changer de shaders pour le... Pour le plaisir du visuel, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ils sont pas désagréables ces shaders là. J'aimerais bien l'avis de mon pote. Qu'est-ce que tu en penses, Joss? Attends, on va mettre bientôt à zéro. Est-ce que tu préfères ces shaders là, Joss, ou les autres, ceux que j'ai habituellement tout le temps? Ton avis m'intéresse. Donc regarde, hein, qu'est-ce que ça fait en termes de lueur. C'est beau. Ces shaders vaut leur coup, si, hein, sincèrement. C'est surtout un effet waouh dans la tronche. C'est très... c'est mes deuxièmes préférés, ça, ces shaders-là. C'est les vribrures, machin. Ah, et du coup, voilà. Par contre, je sais pas si c'est toi, mais tes machins, tes lumières redstone ne fonctionnent plus, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on peut un peu vérifier ce que ça donne. Regardez, qu'est-ce que c'est classe. Ah oui, là les arbres et tout ça bougent plus. C'est cool. Et du coup pour l'eau ça donne ça, hein. Hop, on va aller dessus. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est... Sincèrement ces shaders ça, ils sont trop bien. Je les adore aussi autant que les autres. Mais comme vous voyez, le truc, c'est que c'est fort, fort lumineux, quoi. Mais c'est trop classe. Moi, j'aime bien. Bonjour, petit ou coquin. Hein? Moi, je trouve ça très classe, justement, ce genre de shader-là aussi, parce qu'ils sont trop swag, quoi. On va aller voir dans le sous-sol. Comme ça, on regarde qu'est-ce que ça fait avec... ces shaders là et puis on va se quitter. En tout cas, ouais, regardez, c'est pas en fait ces shaders là, ils donnent un petit effet de rosade et ça j'aime bien le petit effet que ça donne. Sincèrement ces shaders vaut autant le coup que les Zeus, hein. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont de toute beauté. Et alors pour terminer, il y a ceux-là que j'ai dit que j'allais mettre, que normalement peut-être éventuellement en plein on va pas traîner parce que du coup après ça va être trop long. En plein truc là que j'avais dit. On va en mettre deux, tiens, pour terminer.
c'est les shaders du coup complémentaires d'abord on va faire, et après on va faire les shaders Chocapic pour voir un peu qu'est-ce que ça donne sur la map de Joss. Oui, il faut toujours attendre un petit moment là. C'est comme ça. Qu'à faire tout Nicoto. Allez, pas trop long parce qu'après le montage va être long. Alors ça devrait pas dépasser 10 minutes. Tchoum tchoum mini. Ah bah c'est fini. Donc j'attends comme un con depuis un bon moment là. Très grave. Bon voilà, quand on est ici. Ouais. Bah c'est bien, mais c'est bien. Ça fait très beau. Regardez un peu au sol. C'est intéressant. Il y a un peu. Il y a quelques petites lueurs. Regardez, vous voyez? C'est assez minime, on les voit un peu. Regardez, on va s'éloigner et regardez, on voit un peu de lumière au niveau du sol. C'est assez mini, c'est assez sustain, mais ça se voit. Regarde, je sais pas si vous voyez, il y a un peu de reflet en fait. C'est très intéressant comme shaders pour faire de l'illuminage en fait. Celui-là, sincèrement, je pense que ce shader ça il est génial pour faire du minage, quoi. Comme je viens de dire, c'est vraiment un très bon. Un très bon shaders. Un très très bon shaders. Alors, pour le sol. Pour le sol, il n'y a pas de grand chose qui est changeable. Pour l'eau, ben voilà, hein, c'est de l'eau comme ça. C'est de l'eau un peu plus calme, comme vous voyez. C'est vraiment tranquillou avec notre joli Wou coquin qui est là-bas. Les feuilles bougent toujours. Ouais. Voilà, voilà. Et du coup, on va passer sur Chocapic pour pas traîner. Donc, j'attendrai l'avis sympa de mon pote pour savoir lequel. Là, c'est rapide. Hein. Lequel shader s'il préfère. Voilà. Celui-là, c'est celui-là que je devrais éventuellement peut-être mettre parce que celui-ci, il a 60 fps constant en fait. Je l'aime bien. Je l'aime bien ce shader pack là aussi parce que voilà, l'eau est sympa, c'est un eau style, regardez, vous voyez un peu à quoi ressemble l'eau. C'est vraiment très très sympa, je dis pas le contraire, mais vraiment, c'est un autre style de shader, ça, c'est l'eau est transparente, mais en même temps vous avez quand même les reflets, ça donne un truc très très sympa et très très agréable, et surtout qu'on est en 60 fps là, constant, je sais bien parce que j'avais fait le test. Donc ouais, ouais, c'est cool. C'est un bon shader. Mais il faut... Disons que c'est un bon shader, quoi. Il est vraiment génial aussi, ce shader, là. Hein. Il est vraiment trop cool. Sur les verts, ça brille bien. C'est vraiment très, très classe. J'ai rien à dire, c'est un bon shader. Il fait son taf en tant que shader en question. Y a pas de problème. On va aller voir dans la cave. Regardez, c'est très joli. C'est magnifique. C'est un beau shader pour ça. Donc voilà, c'est au choix. C'est des Chocapic en ultra haute que performance. Il est bien aussi. Hein. Regardez, ça donne un petit effet sympathique. Au niveau des lumières aussi, c'est très très appréciable. Donc voilà, voilà. Ce que vous entendez, c'est mon PC qui carbure. Donc voilà, voilà. Donc ici, je vais vous dire, je vais vous laisser parce que après j'ai du montage. Je vous dis à bientôt, bande de petites trucs tout bout. Donc voilà, c'était une petite démonstration de tous les shaders que j'ai et de l'utilisation des shaders que je vais faire. Ah oui, d'ailleurs, ici, je vais checker un truc, tiens.
cela. Normalement, je ne devrais pas, mais ici, je vérifie si ça fonctionne. Parce que je sais que ces shaders-là, ils fonctionnent pas en un point truc. Ici, elle devrait. Alors, ça, c'est des shaders spéciales. Assez spéciaux. C'est censé imiter les Doppler shaders de chez Truc, là. Donc, ouais. Faut savoir que ces shaders-là, ils ne fonctionnent pas dans les anciennes versions. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble avant qu'on se quitte. Donc est-ce qu'ils sont bien? Bon, déjà ici, ouais, c'est sympa. Je sais pas, il y a un mur là. Monter en haut. Oh! C'est pas les shaders les plus ouf du monde, mais ils sont pas moches en soi, ça va. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ils ont une couleur assez spéciale quand même, je trouve. Disons que les ombres sont assez forts. C'est pas des mauvais shaders en tout cas, ça c'est sûr et certain, ça ne veut pas dire au contraire. Ils ont essayé de faire des effets bizarres en fait sur les trucs. Je ne peux plus voler. Hein. C'est bon. Je dirais que c'est pas non plus les meilleurs shaders du monde non plus. Hein. Ils ont essayé de faire des trucs bizarres avec ces shaders, j'ai l'impression, mais. Je sais pas, l'eau déjà, elle me plaît pas du tout. Elle est bizarre, l'eau. Après on est fluide hein, dessus, ça c'est clair, on doit peut-être être dans du 60. Ouais, l'eau elle est dégueulasse. Hein, elle est pas ouf. Hein, j'ai l'impression que ce serait du 20 fps, c'est de l'eau. Donc ouais, je sais pas. Oui, parce que quand on regarde l'eau, d'un coup, enfin, soit. Ouais, c'est à vous d'en juger. Est-ce que ce pack de textures-là est bien au niveau shaders ou est-ce qu'il est nul? Ah, il fait son taf, mais bon, je sais pas. Je suis en doute. Peut-être qu'il est bien pour certains. C'est censé représenter le Doppler Shaders de chez Truc, mais j'ai des doutes quand même. Hein. J'ai des doutes. Est-ce que c'est vraiment les Doppler Shaders de chez Truc, ça? Ouais. Peut-être. Bah voilà, moi je sais gérer avec de la mousse à côté de moi. Alors. On va tester un dernier truc avant d'arrêter avec ces shaders là parce que ça m'intrigue. Ah! On n'a rien compris à ce que je lui ai demandé. Et voilà. On va voir ce que ça donne en pleine nuit. Bah voilà, il y a un petit. Ah non, ça va. Ouais. Ouais, ça va, ça va. Ils sont pas mauvais, mauvais. Ah, il y a des tentatives d'effet en fait. Regardez, il y a des tentatives d'effet de modification de lumière au niveau dégradé. Non, sincèrement, c'est pas des mauvais shaders. Pour ceux de shaders que je peux conseiller, sincèrement. Sont pas mal. Sont pas mal du tout. C'est juste l'eau qui me déçoit un peu. Elle est moins belle que les autres eaux. Après, elle est bien quand même aussi. Mais je sais pas, regardez, en fait, dans cette eau-là, on voit la texture encore de l'eau. Ça fait ancien truc Chocapic. Ça, c'est dommage. Mais sinon, en soi, j'avoue que c'est des shaders qui sont pas si mauvais que ça. Il y a un style. Sincèrement, il y a un style, ça va. Donc ici, je vous dirai à bientôt, bande de trucs, portez-vous bien. Oula. Ciao, ciao. Bande de trucs. Oui.
c'est pas moi qui ai fait ça, c'est les shaders qui me met avec un effet de truc là. On dirait que je suis un peu en mode pulse. C'est les shaders docteur Dopper Pack qui font ça. Donc je vous dis à bientôt, bande de petites toutruffes. Et ciao ciao, et portez-vous bien. Donc cette vidéo, je vais carrément le faire sur montage pour voir si ça s'améliore. Allez, à plus, bande de saucisses grillées. Le mec, il va dire 50 000 fois à plus. À plus, bande de saucisses.